M'a dit merci parce que vous regardez vidéo ça. Dans la chaîne ça nous parlons de cause et spiritualité. Ce sont des gens qui sont intéressés ensemble avec phénomène spirituel, avec loi, avec vaudou, avec Bible tout. La chaîne ça c'est pour vous. M'a dit pour abonner ensemble avec nous. Et je dis à nous parlons d'un sujet qui est vraiment important. Nous parlons de quelques passages qui l'aiment tomber sur, l'aiment découvrir dans la Bible qui te ouvre les yeux sur vraiment nature Bible. Et avant nous aller plus loin, m'a dit merci ensemble avec tout le monde qui est abonné ensemble avec moi yo, qui toujours like vidéo mieux, qui toujours commenter, qui toujours partager vidéo yo. Dis nous merci, dis merci avec monde qui abonné ensemble avec ni sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur TikTok. Moi connais nous tout depuis moi nous tout côté, moi connais nous moi qui pas fait ça, m'a dit qui ça va attendre toujours. Une façon pour capable supporter c'est abonner ensemble avec channel moi avec page moi sur toutes les réseaux sociaux et puis like et puis commenter et puis partager vidéo pour plus monde capable connaître tant de parler de tête voulu. Moi t'ai fait plusieurs vidéos déjà blague sur YouTube côté moi t'ai parlé de Genèse 1 an, quelques Genèse 2 dans l'autre côté m'a expliqué quelques secrets qu'il a dedans yo qui en bas genou qui nous pas ouais et m'a expliqué tout que passage ça là prend yo littéralement OK qui j'ai pas fait sens OK mais là prend yo dans l'autre et façon de façon allégorique qui j'ai que lui plus fait sens mais je dis à nous pas entrer dans l'autre aspect de nous pas passer sous deux passages ça en tant que comparaison à fait Genèse 1 avec Genèse 2 et bien pas de l'autre passage tout pour montrer qu'il y a une différence ça en deux passages ça. Pour commencer lors de Genèse 1 lors prêter attention ça m'a avec histoire où est-ce une création qu'a fait graduellement où est-ce un bagage qu'a fait en ordre il y a expliqué au bagage une après l'autre étape par étape chaque plus divisé création en ses jours. Donc chaque jour il y a un bagage qui fait. Chaque jour il y a un bagage nouveau. En tout création prend 6 jours pour lui accomplir parce que chaque jour bon Dieu crée un bagage nouveau. Par contre, l'organe de Genèse 2 où tout bagage semble à fait non seul jour. Pas gagné montre qu'un jour passé dans mi-temps création, ni pas gagné montre que bon Dieu était besoin de repos. Et pourtant, bon Dieu t'a besoin de repos dans Genèse 1. Parce qu'il finit de créer tout le bagage dans 6 jours et puis il repose dans Genèse 2 ou pas ça. Donc ça c'est une grande différence pour raconter une histoire, pour rapporter un fait réel qui était bien passé. Deux bagages ça c'est deux bagages qui sont différents. Ça c'est une remarque toujours une différence que deux chapitres ça gagne. L'autre différence qui gagne encore dans le premier chapitre là c'est Genèse 1 où il y a un monde l'eau. Tellement de l'eau en pile, bon Dieu séparé de l'eau. Li fait gagne de l'eau en l'air, li fait gagne de l'eau en bas. Est-ce qu'il a fait de l'eau en l'air, de l'eau en bas fait sens? Et bien que c'est pas jamais prêter attention avec partie ça pour jamais comprendre. Parce que pour même depuis li dans la Bible là c'est qu'elle fait sens, c'est que moun yo konsa a di, moun yo konsa a écrit a. Pourtant yo pas connait que c'est une époque qui est totalement différente avec pas nous. En nous dans la vidéo à toujours, on quitte ça pour l'autre vidéo. Pourtant, regardez dans Genèse chapitre 2 où il y a l'autre bagage qui est totalement différent. Pourtant, dans chapitre 2, qui t'a supposé un résumé chapitre 1 parce que c'est ça qu'on dit. Il dit chapitre 2, c'est résumé chapitre 1. Bon Dieu crée un monde sèche. Sont-ils là où c'est seulement qui levé, qui vous était. Mais ma fait séparation glo ou pas là. Ou pas, bon Dieu, c'est tellement bien l'eau, bon Dieu, c'est pas de l'eau en l'air, c'est pas de l'eau en bas. Et dans Genèse 1, où est-ce qu'on a un monde l'eau avant que bon Dieu ait même commencé la création, où est-ce qu'on a un monde l'eau, les fini où est l'esprit de Dieu qui a bougé sous l'eau, tellement de l'eau. Mais dans le chapitre 2, ou pas, ça, c'est là où vous êtes levé sous terre, tout petit. Nous devons arrêter nous faire un commentaire après chaque différence, même pas les vidéos à trop long. Donc, on nous finit parler de toutes différences, après ça, on a fait un commentaire global pour expliquer pour qui ça a des différences. L'ordre de structure, création chapitre 1,
Ouais, bon Dieu, il crée tout bagaille, il crée l'homme en dernier. Il crée l'homme en dernier pour quitter l'homme en charge. C'est-à-dire, il prépare la route là pour l'homme, alors ça crée l'homme pour quitter l'homme en charge de tout bagaille. Et pourtant, chapitre 2 est supposé un résumé chapitre 1, c'est-à-dire t'as supposé rapporter fait en ordre. Ouais, bon Dieu créé l'homme très bon dans la création. Il tellement créé l'homme bon dans la création, l'homme même assisté en pile bagarre dans la création. Dans Genèse 1, même la création l'homme, ouais bon Dieu créé ni garçon ni fille en même temps. Dans Genèse 1, on pas prend rien qui montre garçon plus haut que fille, on pas prend rien montre que fille pas égal à garçon. OK, ou est que bon Dieu créé ni garçon ni fille et quitté tous les deux en charge création. Et pourtant là regarde Genèse 2, ou est garçon il fait en dans création même, il pas fait en dernier. Li fait en dans création parce que yo ba li un grade. Yo ba li un grade qui pi plus par rapport avec Genèse 1. OK, là il c'est coopérateur bon Dieu même parce que il assisté dans la création. Si fait en dernier, même il représenter bon Dieu deux histoires, il représenter bon Dieu de manière différente. Tellement c'est pas même histoire du tout. OK? Même il représenter bon Dieu montre dans chapitre 1, il montre bon Dieu qui a plus pouvoir. Bon Dieu plus divin. Là il parle et puis déjà ça fait c'est avec souffle il crée toute bagaille. Mais dans Dieu, il montre un autre Dieu. Il montre un Dieu qui pi humain, qui gagne plus caractère humain. Li manye bagaille, li marche. OK? Li fait Adam même avec poussière. Pendant l'heure, il pas besoin manye rien pour te faire rien, il juste parler, il fait. Mais dans Dieu, ouais, il manye pour le faire et il marche. Et pourtant dans l'heure, il te grand caractère esprit. Le bon caractère esprit dans un, mais dans deux, il y a un caractère physique. Donc, ouais, l'on compare l'histoire, ça, une parle ensemble avec l'autre. Il y a une pile de différence toujours, mais ça, c'est quelque là-dedans. Donc, une parle ensemble avec l'autre. Les filles et tout. La création, qui est-ce qui était là pour témoin création, pour écrire? Si c'est un bon Dieu qui a fait, si c'est un monde qui est inspiré par un bon Dieu, cap écrit création, nous t'attendons que s'il écrit deux chapitres, faut deux chapitres t'assemblent parce que chapitre 2 c'est résumé chapitre 1, c'est même fait que a reporté. OK, là où l'école le bon résumé une histoire, sous pas prendre histoire ou résumé le faille qui vaille. OK, si moun nan te fon bagay en ordre dans première histoire, nan son pral rapporté a ou même ou pas ka changer ordre. OK, ça pas prele un résumé. Et puis pas seulement changer ordre, ou pas changer des faits tout. Gen des faits clés dans histoire originale là, ou pas supposé changer, pas supposé mayel, si on juste résumé que ou bon fait, y pas bon changer et bagay nan histoire ou pas bon changer. Et puis il y aurait les Bibles, les Saintes Écritures. Nous t'as supposé attendre que il reste à pas la supposé fête. Si il reste à pile nous nous faisons les nous appelons Bible. Les nous appelons Bible même si ouais bagay y a pas fait sens. Mais le fait que tu mettes dans le crâne, tu mettes dans la tête, et puis tout le monde pour te respecter en tant que cette écriture, en tant que écriture inspirée de Dieu, donc on vient pas vraiment poser question ou t'as supposé poser ou parce que grand créatif parce que ou peur ou remettre un bagage dans tête tout des pour gain doute ou péché c'est juste tête là qui ne sont pas là mais grand pile passage qui consacre toujours m'a venu avec ou toujours m'a baqué toujours dans vidéo grand pile passage consacre toujours dans Bible là et une plus grande bagage qui t'a supposé lever curiosité nous les nous appeler Genèse avec Genèse 2 c'est que même nos bon Dieu différents même nos Dieu ça qui a parlé là c'est même Dieu là et il différent dans tous les deux chapitres. Pour même penser c'est une coïncidence dans chapitre 1 il a parlé de bon Dieu tout côté où est non bon Dieu même dans français ou après que ou traduit de la façon
comparément à chapitre 2 là. Et bien, dans la langue hébraïque, dans chapitre 1, Genèse 1, tout côté où il est traduit comme bon Dieu, c'est Elohim. C'est Elohim qui est littéré. Et dans chapitre 2, c'était Yahweh. Ce n'est pas le même Dieu que tu as parlé. Et ça fait dans chapitre 1, où après le bon Dieu a parlé, il parlait en nous. Parce que ce n'est pas un seul Dieu qui a parlé, c'est plusieurs dieux qui a parlé. Mais si j'ai ça, c'est un sujet qui est vraiment, ben, vraiment important, même pas avec les cartes de Samuel de Bat. Samuel de Bat et Jodi dans la vidéo. Ça. Donc, il y a des bagages c'est après ma portée pour notre vidéo pour qu'on ait plus de détails, toujours pour qu'on ait plus d'arguments sur eux, toujours. Il y a des bagages pour qu'on ait ces recherches pour faire. Donc, on parle bizarre pour Genèse 3, verset 8, bon Dieu, il y a quoi? Et dans Jean 4, verset 24, bon Dieu son esprit, et pourtant, Luc 24, verset 39, Jésus dit, yon esprit pas gen zol, pas gen chair. Donc, si on pose cette question, comment fait Jean 6, verset 46, avec 1 Timothée 1, verset 17, et Exode 33, verset 20, d'où pas kawe bon Dieu, et puis pour être vivant, et pourtant, dans Exode 24, verset 9 à 11, avec Esaïe 6, verset 1, moun wè bon Dieu an yè pa rive yo. Sa k fè nan Genèse 32, verset 25 à 33, bon Dieu change nou Jacob. Et pourtant, nan Genèse 35, verset 9 à 10, bon Dieu rechange nou Jacob encore. Nan même Israël, il change nou Jacob en Israël dans tous les deux histoires. C'est comme si nan deuxième histoire, il était oublié qu'il était changé nou Jacob déjà. Pas même longtemps que ça, même non, trois chapitres de cela. Il dit que tu as changé nos Jacob en Israël, mais l'oublier, c'est comme si mon Dieu était fait Alzheimer. Moi-même, question plus que me poser chrétien, c'est ça que fait Jésus qui a des généalogies paternelles différentes dans la Bible. Je vais vous plus de détails sur ça dans l'autre vidéo. Si vous regardez la vidéo arrivée jusqu'à là, je vous remercie en pile et pas oublier. Like vidéo à commenter et puis partager vidéo et puis abonnez à ma chaîne là, cliquez le bouton notification pour plus de monde capable de connaître la chaîne là.